Aman Benson. Le journal des stratèges. On vous parle de WeTick, donc une application qui permet de dématérialiser les tickets de transport. Elle est en service à Bordeaux et non, bien sûr, la métropole tout entière. Et ils ont déjà 200 000 utilisateurs, ce qui représente entre 20 et 25% des ventes de titres occasionnels. Depuis septembre dernier, ils ont une hausse d'environ plus 15% par mois. Alors, ils ont levé 1,3 million de fonds et leur objectif, c'est de pouvoir utiliser le téléphone et donc de payer les transports sans le sortir de sa poche et également intégrer les abonnements dans leur offre tarifaire. Alors, WeTick, c'est intéressant puisqu'ils utilisent, ils sont les seuls dans le monde apparemment d'utiliser la techno Bluetooth et non NFC pour les paiements. Donc, ce qui est intéressant également, c'est de connaître les usages des personnes qui utilisent ce transport. C'est-à-dire qu'on peut effectivement savoir quand l'usager monte, mais aussi quand il descend. Et ça te permet de mieux connaître les flux de voyageurs, ce qui est super intéressant pour les transporteurs.